peut-être qui causait pas erreur et mon marché, je pense que il crée peine, il baille la peine, mais et nous pensons que c'est ensemble qui pour repenser structure marché, parce que le monde n'a l'argent à investir comme ça, faut qu'il soit en sécurité et faut qu'il y ait moyen tout pour l'État tout qu'a pour responsabilité pour pompier qui a venir pour faire des manches pour éteindre du feu aussi rapidement que possible, parce que nous voyons que tout au alentour du marché ça gain équipe Eto qui mettait là qui barre et espace là et même pour eux même tout les passif. Nous pensons que faut que nous repenser ça, faut que nous repenser comment on a fait marcher, faut que nous repenser comment on a quitté Mounio lagué pour que tu aies investi l'argent pour perdre en une journée. Marché à sécurité, c'est normal. Et c'est que fait gain gain monde qui en cas d'enquête directeur marché entré dans le DCPJ jeudi, chef sécurité obligé aller tout et de façon que bail explication, faire bail exactement qui fait réel du feu ça dérapé. Si au cas que c'est en main et criminel qui cause du feu, mais moi garantis ça, moi très clair sur ça, moi garantis que l'État frappe la terre n'a pas commencé à freiner le vagabondage ça. Dans l'occasion 33e conférence lundi de la presse, ministère communication recevoir lundi 19 février la commission interministérielle qui a mission pour accompagner marchands qui perdent commerciaux dans le marché en fait. Membre commission a profité pour parler sous ensemble dispositions et a pété en place pour accompagner marchands victimes. Suivons le compte-rendu, Rachel Saint-Fort. Dresser liste marchands victimes dans l'idée pour bailler au moyen l'argent qui permet de faire face à la responsabilité. C'est un objectif de la commission interministérielle qui vient pour accompagner marchands qui perdent marchandises dans des faits qui éclatent dans le marché en fer. Commission ça qui gagne la donne représentant ministère commerce et industrie, ministère affaires sociales et travail, office national assurance vieillesse, caisse assistance sociale, ministère conditions femmes et droits femmes a intervenu dans deux niveaux. Intervention nous l'a fait à deux niveaux, au niveau conjoncturel et au niveau structurel. Au niveau conjoncturel, une fois que nous fin fait pour nous commencer avec recensement mais l'islam pas marchande victime yo li pas exhaustive n'a gain pour une bail ou allocation et en même temps au niveau du ministère du commerce bon brigade qui sur les lieux qui au niveau marché en qu'a fait ou évaluation pour nous déterminer niveau perte là et pour nous capable bail ou bilan chiffré de perte là et sur cette base une fois que nous fin fait bilan ça n'a pas capable accompagner machin ça qui c'est des petits qui c'est des micro-entrepreneurs et pour nous aider au échafauder ça au plan d'affaires et référer à aux institutions financières de la place telles que FDI ou bien ONA pour être capable joindre ou aide suffisante pour être capable reprendre activité yo. Ministère Affaires Sociales nous mettait tout en branle depuis le président a lancé commission hein. Tout yon staff pour aller kounia joindre qui possibilité pour nous gagner au moins moun ki victime yo, marchand yo, femme kon garçon pour nous gagner tout nifio avec carte d'identification nationale parce que c'est l'état nous qui gens pour nous bailler assistance c'est pour nous identifier et identifier en tant que citoyen. De ce fait, nous joignons des listes qui donc gain Digicel que nous connaît qui gain une liste exhaustive qui gain environ 542 marchands mais liste Digicel là malheureusement n'est pas gain NIF avec SIN. Alors c'est comme ça équipe technique nous de concert avec équipe technique conditions féminines et ministère commerce là et nous dans marché hein, nous en contact direct avec des marchands que nous connaît qui perdu des marchandises yo ça veut dire en contact yon ak lot nous commencer recenser en pile marchand avec nifio signo pour à partir de l'ONA à partir de CAS pour nous ca rapidement bayo en certaine allocation responsable ONA ak CAS expliquer yo pare pour jouer payo pour accompagner et puis porter assistance ba marchand yo l'ONA dans le cadre de ça, la joue li comme institution, et que nous pensons que Jean-Ministre dit au début, ça fait tout le monde mal, parce que en majeure partie, c'est femmes. Et nous connaissons que l'ONA, il penche en pile sous femmes, sous les machines.
à travers le programme ONAFAM. Donc, nous sommes censés nous interpeller et ça fait nous vraiment mal jusqu'au os. Et nous pensons participer et nous participer selon instruction gouvernement et même commission. Nous-mêmes, dans CAS, nous avons une rubrique qui est œuvre sociale. Ça fait moi indiquer rubrique là, c'est pour me capable souligner que intervention que nous allons faire pas déranger bénéficiaire nous allocataire mensuel là. Allocataire mensuel yo a toujours joindre frais yo correctement. Li pas déranger employé yo. Employé yo a joindre salaire yo correctement. C'est dans rubrique œuvre sociale là côté que c'est un corps qui disponible pour nous porter assistance nous baille tout le monde qui en a besoin. Et déjà ministre des affaires sociales là autant de fois que li instruit nous li voye li sio banon même n'a bay chèque. Membre commission dit yo mobilisé, y a travail pour porter réponse à situation wa pendant yo remercie marchand qui collaborer yo. Merci Rachel ak Darly. Toujours sous même dossier à l'occasion 33e conférence lundi la presse là, ministre conditions femmes ak droit femme là Unid Innocent exprimer solidarité la femme yo qui perdit commerce yo dans dife qui était éclaté dans marché en fait dans la nuit 12 rivé 13 février 2018 là. Ministre Unid Innocent fait connaître commission a travaillé sur liste partielle qui gagne environ 500 marchands. D'après ça l'expliquer, il a rencontré différents secteurs avec association marchands victimes marché en fait pour joindre une liste fiable qui permettre commission a pi bien accompagner marchands yo. Suivons extrait dans micro Rachel Saint-Fort. Nous avons une liste qui a environ 500 personnes là-dedans. La liste que nous avons, c'est une liste partielle, ce n'est pas une liste définitive. J'en dis là, en dans marché, il y a trois catégories de personnes. Il y a des gens qui vendent en dans marché, qui entreposent marchandises, il y a des gens qui vendent en dehors marché, mais qui, le marché pour le fermer, ils déposent les marchandises en dans tout. Et il y a une autre catégorie de personnes qui ont des conteneurs dehors. Que yo mette marchandise yo la dan. Conteneur brûlé, en dan marché brûlé, en pile moun perdu. Journée jodi an, nous dit que pour pas gen injustice, liste sa yo que nous gagnons nan men nou, nous pral fè yon comparaison. Parce que l'équipe que nous gagnons souterrain, elle agit, elle travaille non seulement sous liste que Dizisel avec directrice marché en bas nous, mais tout n'a pas rencontré. Contre des mondes qui en dehors de marché. D'ailleurs, nous réunions par secteur. Ça veut dire qu'il y a des mondes qui tapent vendre cheveux, des mondes qui tapent vendre produits cosmétiques, des mondes qui tapent vendre produits alimentaires, des mondes qui tapent vendre des matériels électroniques. Et en même temps, tout nous recevons matin une association qui réunit sous association des marchands victimes de marché Hippolyte. Tout le monde sait, il y a une liste, nous prenons NIFIO, nous prenons numéro de téléphone, yo, et brigade nous gagne qui sous le terrain, qui sous marché, hein, après les mounio, après justifier place côté que mounio chita, ok, et de voisins que vous avez bon côté, n'a pas consulté autour pour que liste nous gagne capable, on liste fiable pour pas gagner des ordres là-dedans, pour nous cap agir là-dedans, sous lit, sans fausse côté, sans injustice. Président Chambre député Agaribodo encourager la justice avec la police prend responsabilité yo dans dossier marché qui a boulé dans région métropolitaine là. Député Delma qui dit li comprendre souffrance marchand yo mande gouvernement sécuriser marché yo pour éviter zak sa yo reproduit pendant li souhaité gouvernement accompagner sinistré yo qui nan difficulté. Yon extrait dans micro Fedian confident avec Moïse Wilwich. Faut que autorité municipal yo redoubler d'efforts pour capable sécuriser marché yo. Donc marché yo yo pas sous compte gouvernement central là, yo pas sous compte pouvoir législatif là. Donc moi pense en pile fois et mairie yo toujours plein que et dans question fonds communaux, fonds collectivité, gon ensemble des problèmes qui posé, mais là yo gon occasion pour yo prendre responsabilité yo pour yo capable sécuriser marché yo parce que m'a regardé ça qui passé là dans marché en fait là encore hier tout. Il y a un pile effort fait là pour nous être capables d'éteindre du feu ça. Donc ça c'est des débats qui récurrent dans le pays. Donc il faut commencer à dire nous tous qui côté nous aller comme société. Donc pour nous doter pays de non seulement un service pompier qui là qui bien équipé par côté nous, qui bien équipé, qui a des matériels, qui a qui prend entraînement pour ça, qui a des bouches d'incendie, tout ça qui est disponible pour les gens capables de jouer l'eau pour éteindre du feu. Mais c'est résoudre le problème dans ton amour. Donc, c'est inconcevable tout dans un pays. Question marché, son bail qui gère comme c'est de manière politique.
qui mérite là, qui directeur marché, est-ce qu'elle prête? Des fois, c'est des gens et ça va nouvelle pour personne. C'est des gens qui ont des amis, mais des fois, qui ont fait la loi dans le marché. Donc, même si c'est l'autorité municipale, il faut prendre responsabilité. La police nationale, il faut prendre responsabilité. C'est inconcevable, même pour Balian dans le pays, il garder qui sa président a dit, sa président Sénat a dit, sa président de chambre députée a dit. Donc, nous vivons là, dans le pays, à chaque monde qui a une responsabilité. L'autre dossier dans le journal ça, président commission éthique et anticorruption dans le Sénat, sénateur La Tortue réagit sous publication dans le journal Le Moniteur. Résolution Sénat est adoptée semaine passée pour demander coût supérieur des comptes à contentieux administratif enquêté sous dépenses pour Petro-Caribéen depuis l'année 2008 pour arriver 2016. D'après parlementaire Latibonitlan, dossier ça pas fini, commission éthique l'a dirigé pour continuer à garder comment l'argent fonds Petro-Caribéen est dépensé. Nous invitons à suivre un extrait. Ça a étonné puisque si au monde justement était concerné dans le dossier, moi crois que eh bien c'est lumière qui pour faire. C'est pas rejeté pour rejeter le dossier parce que vous voulez de forme. C'est lumière qui pour faire. Et c'est là ça nous vinoué, il faut que bataille a continué. Parce que tout le monde qui est content que vous rejetez le dossier, soit pour la forme ou bien pour la majorité de Michel, a dit qu'on connaît dans le fond, vous avez des barrières à reprocher. Donc, dans ce sens-là, moi, je dis que la séance, nous sommes condamnés pour la forme, puisque la séance-là, nous connaissons que vous avez annoncé pour mardi, il fait jeudi et le commissaire n'est pas là. Donc, il y a un pile dérive, nous croyons que nous avons déjà dit au niveau de la séance-là. Mais au niveau de fond, justement, dossier Petro-Caribéen, le l'été lancé et que moi-même j'ai lancé enquête là, m'a dit tout le monde que année nous t'ai lancé là, t'ai un président cour des comptes là qui t'ai une équipe qui t'a travaillé sur Petro-Caribéen dans BMPAD et président t'ai metté en contact avec équipe ça. Et tout travail que m'ai fait pendant année c'est avec équipe cour des comptes là. Donc je dis à cour des comptes déjà lui-même et travaille sur dossier ça. Et tout rapport que nous avons fait, il était parti de éléments communs que la commission a gagné avec cour des comptes. Donc, nous avons dit tout le monde que c'est peut-être une perte de temps, c'est peut-être un dilatoire, mais les mêmes documents que nous avons utilisés, ces documents que la cour des comptes a gagné en commission qui était dans BMPAD, qui a travaillé, et sur le Petro-Caribé de 2008 à 2016. Donc, rapport cour des comptes 2013-2014, 2014-2015, c'est sur même document ça, d'ailleurs rapport ça yo que cour des comptes adressé à Sénat, yo gagné les mêmes éléments encore là-dedans. Donc c'est pour nous dire tout le monde, quand on dit la droit pour dossier à prendre petit temps, mais dossier a, li gagné tout élément qu'il a et dossier ça yo, cour des comptes qui a réagi sous directeur général pour grand arrêt de débat de quitus, mais Sénat a toujours réagi sur tout ancien ministre et tribunaux de droit commun et tout. Donc, moi crois que jodi a bataille là la continuer. Délégué départemental NIP Givard Labbé fait connaître pendant passage caravane changement dans région NIP, il y a un pile travail qui déjà réalisé. Givard félicité président public là Jovenel Moïse pour matériel ça qui déjà joint la direction départementale TPTC. Délégué départemental Niplan, Givard Labbé, quoi grâce à l'équipe ça, caravane là pral continuer dérouler puis bien. Suivons bout dans déclaration. C'est un gouvernement qui a travaillé, c'est un président qui a fait promesse et c'est un président qui a transformé, converti promesse ça en action. Il est venu avec ça, il a promis ça et même plus pour permettre que lui aider nous sortir dans sa nouille. Nous connaissons un président qui a travaillé pour faire interconnexion communale, départementale, qui pour permettre petits paysans qui n'ont pas reculé, capables de vivre, gens tout le monde qui vivre et faire petit choix dans n'importe, dans plus belle école, dans plus grande école. Parce que nous connaissons un monde qui a vécu dans une situation non point reculé. Donc parfois, c'est à même le sol et si mon yoshita pas même des couvertures côté à l'école. Pour qui ça passe par un moyen de transportation, par une infrastructure routière pour que tout le monde soit capable de déplacer. Mais je dis, avec caravane changement, et nous en pile percé grand en fait. Je ne sais pas si on est baradaire,
Là, a parlé de fond torture, on côté pas de gain ou du tout, mais je dis à lui prendre quelques minutes pour mon saut de fond torture pour descendre dans le centre-ville Baradère. Hier, moi, j'étais Baradère, moi-même, personnellement. Moi, regardé parcours Baradère avec Cavaillon. Donc, il prend moins que une heure et quart pour me sortir Baradère, pour me river dans le centre-ville Cavaillon. Donc, c'est pour me dire que ça, c'est un espoir réel. Ce n'est pas un rêve qui a fait dormir. C'est un monde qui vient travailler, qui vient poser des actions concrètes qui pour sortir la population nipoise et population dans chaque département. Yo, parce que Cavaillon, ce n'est pas seulement dans Nip, mais dans tout département. Yo, et nous sommes capables d'essayer. C'est tout le monde qui a loué effort gouvernemental là, cap louer effort président Jovenel avec tout gouvernement l'a fait pour permettre que chaque département yo, chaque direction départementale travaux publics yo bénéficier des engins lourds qui pour permettre que non seulement yo utiliser pour nettoyer, pour propter, mais aussi pour yo entrer dans caravane pour faire ça président et pour mettre peuple là. Il y pral connecter yo pour le bail possibilité pour denrer yo qu'arriver pour petit yo qu'a sorti à l'école pour moun ki malade ki habitué porter sous brancard yo gen moyen de transportation pour yo sorti dans coin ça yo. Président Chambre député à Garibodo confirmé bureau Chambre député a recevoir en correspondance yon groupe député siyen pour mander bureau a fixer une date pour interpeller ministre justice là Eddy Fortuné. D'après député Bodo, c'est conférence président yo k'ap gen pour décider sous question ça. Il y a un extrait dans micro Fédéral Confident avec Moïse Wedwich. Procédure respectée. Donc il y a effectivement une lettre qui a été acheminée auprès du bureau pour demander interpellation ministre justice là, mais ça aurait été mieux selon les coutumes que député ont fait ça au cours d'une séance, mais bon, malheureusement, c'est écrit, Constitution, son article 222, bon, c'est l'éclair, et cette lettre sera acheminée dès cet après-midi au niveau de la conférence des présidents pour que nous fixions date pour séance interpellation. On est noté dans le carnaval, il y a une activité culturelle dans le pays, et il y a une autre activité tout professionnelle, pas oublier que dans le week-end, dans la Chambre des députés, ils font une séance pendant le carnaval, ils font un atelier, une séance de travail qui dure pratiquement 4 jours pour que l'ensemble de projets de loi exécutif soit voté. Bah, nous, dans la dernière session, dans l'agenda législatif et commune fait pour l'année 2017, là, qui n'est pas fini de voter, donc nous avons statué sur eux. Donc, semaine, ça, il y a un pile projet de loi, nous allons voter pendant toute semaine. Non? Donc c'est à la conférence des présidents de décider qui leur a mis en date pour que le ministre de la Justice réponde avec interpellation. Donc la Constitution est claire, donc nous sommes tenus et pour respecter la loi. Donc moi, je n'ai aucune opinion sur la question. Donc dès qu'il y a interpellation, il y a interpellateur. Donc nous avons gardé. La Constitution a besoin de 60 députés. Leur interpeller le ministre pour capable balon motion de censure. Donc nous allons regarder comment ça a déroulé, mais nous-mêmes, quant à nous, au niveau du bureau, nous saisissons deux questions. Et seul ça nous avons fait, c'est soumettre la conférence des présidents pour que nous fixions date. Donc nous n'avons aucune opinion. S'il a tombé, s'il n'a pas tombé, ce n'est pas travail par nous. Nous sommes le président de la Chambre, nous au-dessus de la mêlée. Donc nous allons regarder pour nous. Pourquoi elle est là, c'est le moment pour nous observer. On pose dans le journal l'arrêté branché, nous allons tourner dans un petit moment. Dans l'actualité internationale, la directrice Oxfam pour Amérique latine et Caraïbes a présenté excuse-li avec un ministre planification et coopération externe à Viol Fleurant lundi 19 février 2018. La directrice Oxfam pour internationale, la Winnie Byanyima, et pour Grande-Bretagne, la Mark Goldring, doit rencontrer autorité haïtienne. Suivez un reportage. Directeur régional Oxfam pour Amérique latine et Caraïbes a présenté excuse-li avec le ministre planification et coopération externe à Viol Fleurant lundi 19 février 2018. La. Directeur Oxfam pour international la Winnie Byanyima et pour Grande-Bretagne la Mark Goldring de rencontrer autorité haïtienne. Mark Goldring a gagné pour bailler explication sur scandale ça devant une commission parlementaire britannique dans ville Londres mardi 20 février 2018. La. Premier ministre britannique Theresa May bon côté parle jugé situation ça terrible. Organisation reproche tête li pour tête quitter plusieurs salariés qui impliqués dans genre de scandale sa yo intégrer l'autre organisation sans bayo yon pinga.
L'autre raison encore, première série révélation sur agissement employé Oxfam dans le pays d'Haïti entraîne l'autre tant qu'Abi qui fait dans le pays Soudan et Libéria. Dans l'actualité sportive, la championnat national première division, Racing Club Haïtien fait match nul à Cavalier-Léogane dans le cadre de la première journée championnat national première division. Et puis à l'étranger, Chelsea-Barcelone, Bayern-Munich-Bézitas, c'est deux matchs saillants qui programmés jeudi dans le cadre de 8e de finale à la Ligue des Champions. Nous invitons à suivre. La commission qui a organisé le championnat Ligue Volleyball Région Ouest-là, tu organisé une réunion de travail samedi 17 février 2018 là dans le gymnasium Vincent Romain. Objectif rencontre là, c'était discuter sur l'organisation championnat et résoudre quelques problèmes dans le domaine arbitrage. Père Jean Hout qui a participé dans la réunion de travail ici là, t'es profité pour parler des participations équipe Banzai là dans le championnat Ligue Volleyball Région Ouest là. Il fait connaître l'équipe LIA pas gagné gros ambition saison ça à cause plusieurs joueurs qui quittaient l'équipe là et qui a joué à l'étranger. Dans ce sens, ils mettent campé dans l'école volleyball pour travailler avec jeunes filles et jeunes garçons, question pour intégrer l'équipe première division. Bon, on est ça, nous dans le championnat toujours. Malgré nous, avons un bon petit problème pour jouer un effectif valable. Pour qu'on ait un pile dans le titulaire, qui était là deux ans passés, qui sorti, qui allait l'autre bord. Donc, nous avons une certaine faiblesse pour nous jouer un bon effectif. Mais on a travaillé sur ça pour nous voir si nous avons quand même participé. Même sans ambition pour nous être champion ou bien pour nous être premier. Mais quand même, avec une équipe qui est prometteur, qui est nous capable d'arriver plus loin. Quand les mesdames, on a travaillé en pile avec eux. Il y a un entraînement très bas. Et puis, nous font un stage, nous fait la semaine passée. Donc, je crois quand même, il y a pas avancé, il y a progressé sérieusement. Si on était ministériel qui a une mission pour accompagner les marchands qui perdent des commerciaux dans le marché en fer, intervenir à IES sont ensemble disposition, pour mettre en place pour accompagner les marchands victimes. Responsable Centre National Équipement CNE mobilisé plusieurs techniciens et matériel lundi 19 février dans l'idée pour déblayer l'espace marché du port pour que douane qui boulait dans le dimanche 18 février passé. À l'étranger, directeur régional Oxfam pour Amérique latine et Caraïbes, Simon Thijs Hurt, présenté exquisely avec ministre planification et coopération externe à Viol Fleurant. Simon Thijs Hurt, présenté exquisely avec peuple haïtien pour dérive sexuelle qu'un employé t'a commis. Amis téléspectateurs, c'est la journal Labo pour jeudi. Merci à tout le monde qui t'a suivi le journal ça. Restez branchés Télévision Nationale d'Haïti pour suivre la programmation. Bonsoir tout le monde.